பகைமை தேமதாரதது மறுருமைத்தை நோதே பகனுராய்தே திதாவுதாய் பாரிரிதாதுய்தே என்னைப்பே குறைவா பரிமைத்மன் ஓதாதரப்பாவுதாரியிதாதாதுருனுரா Yorana pat otatui tfariri raite inei pepei, yorana tenuna ematei temenei, yorana tmu papai vea. Tato pat oe herohinei, no te genei fanhor aitina tato, tenatu wat poroi no te arofa. Mesdames, Messieurs, je déclare la séance ouverte. Et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 11 février 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session extraordinaire le jeudi 12 février 2009 à 9h pour procéder à l'élection du Président de l'Assemblée et des autres membres du Bureau. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Premier Vice-président Jacques Hidrogo. Merci Madame. Je demande au Secrétaire Général de faire l'appel des représentants. Madame Algon Emma, présente. Monsieur Alpha Théari, présent. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Brodien-Rosine, présent. Madame Chavez-Dachné, présent. Madame Cross-Valentina, présent. Monsieur Drolet-Jacqui, présent. Monsieur Floss-Gaston, présent. Madame Frébeau-Joël, présente. Monsieur Frébeau-Pierre, présent. Monsieur Fritsch-Edouard, présent. Madame Fuller-Tilda, présente. Madame Galland-Minari, présent. Monsieur Gérard Santoni, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirschon-Onoutea, présent. Madame Iriti-Teoura, présent. Madame Isal Heifara, présent. Monsieur Kautey-Benoît, présent. Monsieur Komitini-René, présent. Monsieur Lison-Marcelin, présent. Monsieur Mamato Yahuta-Povitor, présent. Madame Manon Taylevi Agami Sandra, présente. Madame Maria Emma, présente. Monsieur Maria Uratena, présent. Madame Marie Teragi Meiroto Liliane, présente. Madame Matawa Leoni, présente. Madame Marti Juliana, présente. Madame Merceron Armel, présente. Madame Olivier Marie, présente. Madame Opa Afoanik, présente. Madame Parker Eleanor, présente. Monsieur Paulette Kinoui, présent. Monsieur Rapoto Jean-Marius, présent. Madame Richton Monique, présent. Monsieur Rivetta Frédéric, présent. Monsieur Rofrich Teva, présent. Madame Sage Maïna, présent. Monsieur Salmon James, présent. Monsieur Chil Philippe, présent. Madame Tahiata Chantal, présent. Madame Tama Françoise, présent. Monsieur Tanso Robert, présent. Monsieur Tchounfo Goro, absent. Monsieur Tefarele Hiroiti, présent. Monsieur Temaru Oscar, présent. Monsieur Teripaya Mita, présent. Madame Teruatia Sylviane, présent. Madame Tétonou Ilana, présente. Madame Théoula Justine, présente. Monsieur Tongson Gaston, présent. Monsieur Toahou Ismaël, présent. Madame Tuchobuya Catherine, présente. Madame Vernodan Béatrice, présente. Madame Viriamou Elise, présente. Monsieur Yib Michel, présent. Et Madame Bob Dupont est arrivée entre temps. Marourou Moïtei, je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie ce matin vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3, élection du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Enfin, point 5, clôture de la séance. Voilà. Maruro, je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé à l'unanimité. Ordre du jour adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, donc à l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Suite à la démission de M. Oscar Manotheitemaru de ses fonctions de président de l'Assemblée de la Polynésie française, nous allons procéder au renouvellement intégral du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, comme le prévoit l'article 121, alinéa 2, du statut de la Polynésie française et les dispositions du règlement intérieur. Nous élirons d'abord le président de l'Assemblée de la Polynésie française, puis les autres membres du bureau.
Et je demande au secrétaire général de donner lecture des articles 121 alinéa 2, 122 alinéa 3 du statut de la Polynésie française et des articles 6-1, 2 alinéa 3 et 44 du règlement intérieur de notre Assemblée. Vous avez la parole, madame. Monsieur le Président, l'article 121 alinéa 2 du statut de la Polynésie française indique qu'en cas de vacance de président des fonctions de président de l'Assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau. L'article 6.1 du règlement intérieur précise qu'en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, l'Assemblée procède donc dans le délai d'un mois au renouvellement intégral du bureau selon les modalités prévues à l'article 2. Sur les modalités d'élection du président de l'Assemblée, l'article 2, troisième alinéa du règlement intérieur, dispose que l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours de scrutin. Si les deux premiers tours n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un troisième tour auquel peuvent seuls participer les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Cependant, l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le plus âgé est proclamé élu. L'article 44 du règlement intérieur concerne le scrutin secret. Le scrutin secret est de droit pour l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française, celle des autres membres du bureau. Alors, pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Il s'assure que le nombre des bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre de votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit en sens et à haute voix les bulletins l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus. Le résultat est ensuite proclamé par le président. Les bulletins sont alors après immédiatement détruits. Enfin, l'article 122 alinéa 3 du statut sur les procurations mentionne que le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration, mais il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie, du président et du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Voilà. Merci, madame. Avant de passer à l'appel de candidature pour la présidence, je vous rappelle que depuis hier, la composition des différents groupes à l'Assemblée a légèrement évolué. Vous avez remarqué physiquement comment la majorité de gauche a pris de l'ampleur. Et l'opposition de droite s'est légèrement réduite, s'il vous plaît. Donc, il faudra tenir compte de cette nouvelle répartition pour la répartition des postes au bureau, lorsque nous y serons. Pour l'instant, nous allons désigner et élire notre président de l'Assemblée. Avez-vous des candidatures à présenter? Parlez pas tous en même temps. Monsieur le président du groupe Totato Aya, avez-vous une candidature à présenter? Oui, merci, monsieur le président de la Polynésie française. Mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, mesdames, messieurs de la presse, du public, je constate que depuis tout à l'heure, on se regardait mutuellement d'un groupe à l'autre. On attend peut-être que de savoir qui est le premier qui va déclencher, non pas les hostilités, mais les amitiés. En ce qui nous concerne, nous n'avons aucun candidat et nous laissons à la diligence et à la souveraineté de notre Assemblée de désigner notre futur président. Merci. Merci. Vous souhaitez que notre élection soit à la soviétique, alors. Avez-vous une candidature au niveau de la majorité? Monsieur Tony Géros, vous avez la parole. Monsieur le vice-président, monsieur le président du pays, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, chers collègues, merci pour cette marque de sympathie. Effectivement, hier soir, sur le plateau de télévision, il semblait bien qu'on allait voter d'une seule voix aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la majorité, non plus élargie, mais complètement renforcée, propose la candidature de M. Édouard Fitch. Merci. Donc, une candidature est déposée, celle de M. Édouard Fitch. Y a-t-il d'autres candidatures? Je suspends la séance pour établir les bulletins.
La séance est reprise. Nous allons donc procéder à l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française et le scrutin est ouvert. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Secrétaire, de se tenir près de l'urne, s'il vous plaît. Mesdames les secrétaires, tenez-vous près de l'urne. S'il vous plaît. Ben dis donc, ils sont exigeants aujourd'hui. Hein. Merci, merci. Allez-y. Madame Algoïma. À voter. Monsieur Alfateri. À voter. Madame Bob Dupont-Amara. À voter. Monsieur Buissou Jean-Christophe. À voter. Madame Rodier-Rosine. À voter. Madame Chavez-Daphné. À voter. Madame Cross-Valentina. À voter. Monsieur Jacques Droulé. À voter. Monsieur Floss Gaston. À voter. Madame Frébeau-Joël. À voter. Monsieur Frébeau-Pierre. À voter. Monsieur Fritsch-Edouard. À voter. Madame Fuller-Tilda. À voter. Madame Galland-Ménary. À voter. Monsieur Anthony Géros. À voter. Monsieur Anderson George. À voter. Madame Hirschon Nouféa. À voter. Madame Iriti Teura. À voter. Madame Isale Farah. À voter. Madame, Monsieur Kautey Benoît. À voter. Monsieur Komitini René. À voter. Monsieur Lisan Marcelin. À voter. Monsieur Mamato Yehoutapou Victor. À
à voter. Madame Anoufei Léviagami Sandra. À voter. Madame Araya Emma. À voter. Monsieur Marais Urateina. À voter. Madame Marie Teragi Mairoto Liliane. À voter. Madame Atawa Lyoni. À voter. Madame Mati Juliana. À voter. Madame Mersuron Armel. À voter. Madame Olivier Marise. À voter. Madame Wopa Afouanik. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Paulité Kinoui. À voter. Monsieur Rapoto Jean-Marius. À voter. Madame Richton Monique. À voter. Monsieur Rivetta Frédéric. À voter. Monsieur Roufristeva. À voter. Madame Sage Maïna. À voter. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Madame Tarietta Chantal. À voter. Madame Tama Françoise. À voter. Monsieur Tonso Robert. À voter. Monsieur Tuyonton Hiroro, absent. Monsieur Tefarere Hirohiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar Manukai. À voter. Monsieur Terry Bayamita. À voter. Madame Terwater Sylviane. À voter. Madame Zitonu Ilana.
À voter. Madame Théoura Justine. À voter. Monsieur Tansan Gaston. À voter. Monsieur Toahou Ismaël. À voter. Madame Tichobia Catherine. À voter. Madame Vermondon Béatrice. À voter. Madame Myriam Élise. À voter. Monsieur Yip Michel. À voter. Voilà, Monsieur le Président, j'ai appelé tous les représentants. 56 présents, 56 votants. Le scrutin est clos. Et je demande à Madame et Monsieur les secrétaires de procéder au dépouillement avec le secrétaire général. Six bulletins trouvés dans l'urne. Procéder au dépouillement. Enveloppe, pardon. Blanc. Édouard Fritsch. Blanc. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Bulletin blanc. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Nul. Nul. Un bulletin nul. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Édouard Fritsch. Une enveloppe. Enveloppe vide. Édouard Fritsch. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Bulletin blanc. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Bulletin blanc.
Édouard Fritsch, bulletin blanc. Édouard Fritsch. 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 Un bulletin blanc. Édouard Fritsch. Un bulletin blanc. Édouard Fritsch. 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 Et un bulletin blanc. Merci. Et pardon. Mais combien Mesdames, Messieurs, voici le résultat de l'élection. Il y a 16 blancs, 2 nuls, et M. Édouard Fritsch obtient 38 voix. Je proclame élu président de l'Assemblée de Polynésie, M. Édouard Fritsch. J'invite le président à occuper son siège. Maruru. Maruru mai te.
Monsieur le Président de la Polynésie française, messieurs les sénateurs, monsieur le vice-président de l'Assemblée de Polynésie française, mesdames et messieurs les représentants, madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs, chers amis, naturellement, je commencerai par vous remercier tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu m'apporter leur suffrage. Du fond du cœur, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée. Et je vous promets que je ferai tout pour être digne de cette confiance. Je voudrais aussi, et permettez-moi de faire cet écart, dire toute ma reconnaissance à mon président Gaston Flosse. En me faisant l'honneur d'être le candidat du Tahoeraa Huiratira à la présidence de l'Assemblée de Polynésie française, traduisant ainsi toute la confiance qu'il a en moi. Je vais le remercier personnellement. Je voudrais surtout à nouveau féliciter le président de la Polynésie française pour sa brillante élection. Monsieur Temaru, vous êtes à nouveau à la tête de notre exécutif grâce au soutien d'une forte majorité au sein de cette Assemblée. Que le Seigneur vous aide et vous accompagne tout au long de cette mission, qui sera difficile. Vous avez désormais, avec votre majorité, toute la tranquillité pour travailler et relever avec succès, nous l'espérons, les nombreux et difficiles défis économiques et sociaux que notre pays doit faire face. Aussi, je vous adresse tous mes encouragements et tout mon soutien pour l'immense travail qui vous attend, qui attend votre gouvernement et qui sera soutenu par notre majorité, conformément aux engagements que nous avons pris ensemble. Nous reconnaissons tous ici, mes chers collègues, que la crise que traverse notre pays nécessite une action forte et rapide de la part du gouvernement et de la part des représentants à l'Assemblée, selon les compétences et les attributions qui reviennent à chacun de nous. C'est pour cela qu'aussitôt le président de la Polynésie élu, nous avons jugé utile de désigner rapidement le président de l'Assemblée de la Polynésie afin que nos institutions fonctionnent et se mettent au travail sans tarder. La première étape de ce travail sera l'étude du collectif budgétaire que vous nous présenterez sous peu, Monsieur le Président, pour mettre en application le plan de relance que nous avons défini en concertation avec la nouvelle majorité. Je connais cette maison, j'avais apprécié le travail réalisé avec les élus, j'apprécie le personnel qui œuvre avec dévouement et efficacité, et ce, en toute discrétion.
J'ai effectivement gardé un excellent souvenir de mon passage au sein de cette Assemblée entre 2007 et 2008, février 2008. Lors de cette expérience, j'avais souhaité que le fonctionnement démocratique de notre institution soit amélioré en impliquant le bureau de notre Assemblée aux décisions qui touchent le fonctionnement de cette institution. C'est ainsi qu'ensemble, nous avons toiletté le règlement intérieur de notre Assemblée pour que l'organisation et le fonctionnement et les pratiques quotidiennes soient plus et mieux conformes à l'esprit de notre statut. Dans ce même esprit, je continuerai ce travail législatif et réglementaire. Notre droit doit s'enrichir continuellement pour que la démocratie et les pratiques démocratiques soient renforcées au sein de notre Haute Assemblée. Je demanderai également au président de la Polynésie française de bien vouloir accepter de rencontrer les 9 membres du bureau de notre Assemblée au moins une fois par trimestre, afin de discuter et de se concerter sur le calendrier législatif et notamment des textes que le gouvernement entend présenter à l'examen de notre Assemblée. Beaucoup de nos représentants sont des maires des communes éloignées et ont besoin d'organiser leur agenda et leurs déplacements d'une manière optimale et rationnelle. Cette concertation entre l'exécutif et le législatif ne peut, à mon sens, qu'apporter efficacité et lisibilité. Je ferai tout pour dynamiser cette institution. Je ferai en sorte qu'elle puisse suivre le rythme effréné imposé par le gouvernement qui s'acharnera à redresser la situation économique, sociale de notre pays. Ah oui. Monsieur le Président de la Polynésie française, soyez assuré que l'Assemblée travaillera au même rythme que le gouvernement. En tous les cas, je veillerai à ce que cette Assemblée ne soit pas un frein ou un ralentisseur de l'action de votre gouvernement. Par ailleurs, en cette période de crise, j'estime que notre Assemblée doit également être solidaire des préoccupations budgétaires du gouvernement ainsi que des préoccupations de relance de l'économie de notre pays. Je veillerai à ce que nous ayons notre part de contribution dans le mouvement de redressement économique et financier de notre pays. Je veillerai à la bonne utilisation de notre budget de fonctionnement. Je ferai néanmoins tout pour que vous ayez, mes chers collègues, les moyens d'assumer correctement vos tâches et vos responsabilités malgré ces temps de restrictions financières. Je sais que la rénovation du bâtiment où nous sommes est un investissement qui doit être mené à bien. Je souhaite donner un coup d'accélérateur à ce projet qui permettra, entre autres, au secteur privé de bénéficier de plus de 400 millions de francs de travaux et nous permettra, en tous les cas, de travailler dans de bonnes conditions et dans nos locaux à nous, ici, à l'Assemblée. Comme je l'ai dit, j'impliquerai étroitement le bureau de l'Assemblée à ce chantier. Mes chers collègues, certains d'entre vous m'ont déjà vu à l'action de cette Assemblée. Je continuerai à agir à votre égard avec sérieux, respect et concertation. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant, comme il a été prévu à l'ordre du jour, à l'élection des autres membres du bureau de l'Assemblée. Je vais donc, en conséquence, suspendre nos travaux afin que nous puissions nous concerter avec les présidents de groupe de l'Assemblée et ensuite entre vous, au sein de chaque groupe, afin que nous puissions ensemble mettre en place la liste que nous présenterons ensemble pour constituer le bureau de l'Assemblée. Je vais donc suspendre la séance. Il est 10h22. Je vous propose de suspendre une heure. Nous reprendrons nos travaux à 11h30. La séance est suspendue. Bien, la séance est reprise. Nous allons procéder maintenant à l'élection des autres membres du bureau.
Je vais demander au secrétaire général de nous donner lecture des dispositions du statut et du règlement intérieur relatives à cette élection. Vous avez la parole. Monsieur le Président, l'article 2 du règlement intérieur précise que le bureau de l'Assemblée se compose du président, des premiers, deuxième et troisième vice-présidents, des premiers, deuxième et troisième secrétaires et des premiers, deuxième et troisième questeurs. Ceux-ci sont élus au scrutin de liste secret, sans banachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative suffit. Tout groupe constitué qui fait acte de candidature par écrit doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportée au nombre total des autres membres du bureau. Aucun retrait de groupe n'est possible après que le président ait donné lecture des listes proposées au suffrage de l'Assemblée. Après proclamation des résultats du scrutin, le président de l'Assemblée suspend la séance pour permettre l'élection pour le bureau ainsi constitué des premiers, deuxième et troisième vice-présidents, des premiers, deuxième et troisième secrétaires et des premiers, deuxième et troisième questeurs. Aucun débat ne peut avoir lieu avant que le président proclame le bureau installé dans cette fonction. Après l'élection du bureau, le président de l'Assemblée en notifie la composition au président de la Polynésie et au commissaire. Voilà. Je vous remercie. Nous avons reçu donc au secrétariat de l'Assemblée une liste qui a été déposée par les groupes constitués au sein de notre Assemblée. Donc, il a été constitué 5 groupes au sein de notre Assemblée. L'intergroupe Union pour le développement, la stabilité et la paix, 18 sièges. Totato Aïa, 13 sièges. Le Tahoeira Huira Atiria, 12 sièges. Yaura Tefenua, 7 sièges. Temana Otemomotu, 6 sièges. La répartition à la proportionnelle donc, des groupes constitués donne le résultat suivant sur 9 membres constituant le bureau de l'Assemblée. Pour le groupe UDSP, 3 représentants. Pour le groupe Totato Aïa, 2 représentants. Pour le groupe Tahoeira Huira Atiria, 2 représentants. Temana Otemomotu, 1 représentant. Yaura Tefenua, 1 représentant. Cela fait donc 9 membres constitués. J'ai reçu donc au secrétariat de l'Assemblée générale une liste dont on va vous donner les noms. Madame la secrétaire générale, voulez-vous donner lecture? Monsieur le Président, nous avons les candidatures de Monsieur Victor Mamato Yahutapu, Madame Notea Irchon, Madame Chantal Tahiata, Madame Rosine Brodien, Monsieur Hiroiti Tefarere, Madame Teura Iriti, Madame Hefra Izal, Monsieur Benoît Kautei et Madame Algon Ema. Voilà, une liste donc, comme vous venez de l'entendre, qui représente toutes les composantes de notre Assemblée. Nous allons passer au vote de cette liste déposée. Le scrutin est ouvert. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de procuration pour ce vote et je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Quand on installe l'urne, voilà. Merci. Oui, monsieur le représentant Jean-Christophe Bouissou. Merci, monsieur le président, monsieur le président du gouvernement, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les représentants, cher public, bonjour. Oui, avant de faire procéder au vote, monsieur le président, je voudrais faire une déclaration suite à notre discussion lors de la conférence des présidents de groupe sur la composition du futur bureau, tiré évidemment des candidatures que nous avons sur cette feuille que nous placerons dans l'urne tout à l'heure. Je voudrais affirmer ici l'esprit d'ouverture de notre alliance et d'intégration, bien sûr, de nos amis de Totato Aïa à l'intérieur du bureau. Nous avons pris acte tout à l'heure de la demande du président du groupe Totato Aïa
de participer, y compris à un poste de vice-président au sein du bureau de l'Assemblée. Et je voudrais ici déclarer que nous nous engageons en ce qui nous concerne. Lors du renouvellement du bureau le 9 avril prochain, à céder notre position de troisième vice-président au groupe Totatoaïa, avec l'élection, bien sûr, du président ou de la présidente de la commission permanente. Alors, je souhaite que ce soit bien compris et que cet engagement est un engagement ferme et qui démontre aussi l'esprit d'ouverture que nous avons et de la collaboration que nous souhaitons tous pour que nous puissions enfin travailler ensemble. Merci. Monsieur Philippe Schill, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je prends note de la proposition d'ouverture de notre collègue Jean-Christophe Huissou, président du groupe Yaora Tessénois. Ceci dit, j'aurais souhaité que cet esprit d'ouverture se manifeste non pas le 9 avril, mais dès à présent, puisque nous avons tous entendu dans les discours des uns et des autres, et notamment de ceux qui président aujourd'hui aux destinées de notre pays et aux destinées de notre Assemblée, cette volonté d'ouverture. Attendre quelques jours, quelques semaines, j'ai du mal à saisir cette motivation. Maintenant, ainsi que je le disais tantôt, je prends bonne note de la proposition de notre collègue Jean-Christophe Huissou. Je retiens toutefois qu'il s'agit d'une proposition qui vient de lui et du groupe qu'il préside. Je veux croire et je veux espérer qu'au niveau de la majorité à laquelle Jean-Christophe Huissou appartient, celle-ci est aussi dans la même disposition et qu'au niveau du groupe Totatoaïa, nous pouvons espérer légitimement, compte tenu du poids que représente Totatoaïa au sein de l'hémicycle, que nous pourrons en effet disposer de la troisième vice-présidence, comme nous l'avons eu lors de la précédente mandature. Je vous remercie. Monsieur Rofritsch, et nous passerons au vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, chers collègues, chers amis du public. Monsieur le Président, je crois que il y a eu un accord sur la liste qui est présentée au scrutin de l'Assemblée. Monsieur Huissou s'est exprimé sur d'éventuelles propositions à venir au nom de son groupe, qui n'ont pas encore fait forcément l'objet de discussions au sein de la majorité. Et nous prenons acte également des propositions de Monsieur Huissou, hein, qui s'est exprimé donc devant l'Assemblée. Je propose, Monsieur le Président, que nous passions au scrutin sur ce sur quoi nous sommes tombés d'accord. Pour le reste des propositions, nous attendons d'en reparler. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Rofritsch. Madame la Secrétaire Générale, vous voulez procéder à l'appel des représentants. Mesdames les secrétaires, vous voulez vous rapprocher de l'urne. Madame Algoïma. À voter. Monsieur Al-Fatihari. À voter. Madame Bob Dupont-Tamara. À voter. Monsieur Huissou Jean-Christophe. À voter. Madame Brodien-Rosine. À voter. Madame Chavez-Daphné. À voter. Madame Cross-Valentina. À voter. Monsieur Jacques Drolet. À voter. Monsieur Floss Gaston.
à voter. Madame Frébo-Joël. À voter. Monsieur Frébo-Pierre. À voter. Monsieur Edouard Fritsch. À voter. Madame Fuller-Tilda. À voter. Madame Fuller-Tilda. À voter. Madame Galdon-Minari. À voter. Monsieur Jérôme Santoni. À voter. Monsieur Anderson George. À voter. Madame Hirschon Nounouper. Madame Hirschon. À voter, Madame Iriki Teura. À voter, Madame Isal Heifara. À voter, Monsieur Benoît Cautey. À voter, Monsieur Komitini René. À voter, Monsieur Lisa Marcelin. À voter, Monsieur Mamato Yotapou Victor. À voter. Madame Anoutri Lévi Agami Sandra. À voter. Madame Maraya Emma. À voter. Monsieur Maraya Rateina. À voter. Madame Maritragi Mayroto Liliane. À voter. Madame Atawa Leoni. À voter. Madame Mati Juliana. À voter. Madame Merceron Armel. À voter. Madame Olivier Marie. À voter. Madame Opa. Afo Annick. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Paulette Kinoui. À voter. Monsieur le rapporteur Jean-Marius. À voter. Madame Richton Monique. À voter. Monsieur Rivetta Frédéric. À voter. Monsieur Tevaro Fritsch. À voter. Madame Sage Maina. À voter. Monsieur Salmon James. Absent. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Madame Tarietta Chantal. À voter. Madame Tama Françoise.
voté. Monsieur Tonso Robert. A voté. Monsieur Chouyoumoutou Roro, absent. Monsieur Tefaré Rehiroiti. A voté. Monsieur Temaru Oscar. A voté. Monsieur Teripayamita. A voté. Madame Tiroatia Sylviane. A voté. Madame Titonou Ilana. A voté. Madame Théoura Justine. A voté. Monsieur Thompson Gaston. A voté. Monsieur Tahou Ismaël. A voté. Madame Tuchoubillard Catherine. A voté. Madame Vernon Béatrice. A voté. Madame William Elise. A voté. Et Monsieur Yves Michel. A voté. Voilà, Monsieur Président, je vais appeler tous les représentants. Scrutin est clos. Procédons à dépouillement. Ok, Vivi. Ok, bravo, bravo. Ok, ok, Maria. En bloc trouvé dans l'une. C'est ça? On est en train de se distrayer, on est fatigué. On met un temps, on n'a pas les mots. Liste complète. Blanc. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Je ne sais pas si ça s'est annulé parce qu'on a gribouillé ou quoi. On compte pas. Un nul. Liste complète. Un nul. Enveloppe vide. Liste complète. 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 Liste complète, liste complète, liste complète, nulle annotation sur le bulletin. Liste complète, 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 liste complète. 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 Et liste complète. Bien, voici donc les résultats du scrutin. 57 représentants composant l'Assemblée, 55 représentants présents. 55 bulletins ont été trouvés dans l'urne. La liste donc obtient 51 voix sur 55, donc 4 bulletins nuls. Voilà. Donc, je déclare la liste élue. Et en conséquence, donc, je demande au secrétaire général de nous donner la liste des membres que vous venez d'élire, Madame la secrétaire générale. Monsieur le Président, voici les membres élus du bureau. Monsieur Victor Mamatoua-Yaoutapou, Madame Mounoutia Irshon, Madame Chantal Tahiata, Madame Rosine Brodien, Monsieur Hiroïti Tefarere, Madame Théoura Iriti, Madame Heifra Izal, Monsieur Benoît Kautey et Madame Algon Emma. Je vais suspendre la séance pour une minute et demie. Le temps que l'on couche sur papier la composition du bureau sur lequel nous nous sommes déjà mis d'accord. Et je vous ferai part de la composition du nouveau bureau. La séance est suspendue. Bien, la séance est reprise. Je vous donne donc la composition du nouveau bureau de l'Assemblée de la Polynésie française telle qu'elle a été discutée avec les différents présidents de groupe. Premier vice-président, donc, Théoura Iriti. Deuxième vice-présidente, Victor Mamatoua. Troisième vice-présidente, Emma Algon.
Première secrétaire, Unatea Hirschon. Deuxième secrétaire, Benoît Cauteil. Troisième secrétaire, Rosine Brodien. Premier questeur, Hefara Izal. Deuxième questeur, Chantal Tahieta. Troisième questeur, Hirohiti Tefarere. Telle est donc la composition du nouveau bureau pour lequel vous venez donc de vous prononcer, puisque nous avons voté cette liste à 51 voix contre... Sur 55. Voilà. Monsieur Tefarere. Merci, Monsieur le Président. Parmi les rapporteurs, Tervoyerai, retenez notre phénomène. Tervoyerai, notre offre est petite. Tervoyerai, tato gourou, tenatou de hei au terre. Et non, heina, far au mette tato, tato gourou, et nous en tant que mau. Il a, tu y en mets moi tato. In ia ite fari ir a e rove a mui ki uhipo. E hatu pu teo, fa atura e tero. Ka farre i teo e tero. Ki uhipo a ia o te iruwe hi e tato i te e mana i te mehu i e. Ka kata te ta ato ara i maiti te i e pia. Fa tere a ora rei. Pea huru maho e te hio roe tōna ti aturira. Poi te rā oe, te anira ana harto i mātou. Te pupu tō tātou āia, iau te pūwei o te mō pupu porikita tō ai veire te aporārai. O horu māwau no te tāwini UPLD. O horu mātoru tō tātou āia, horu mātoru tōa, horu mapiti tāho e rā e te iau mai, e ono i aora te whenua, e ono te mana o te mōmatu, e ho e noa ai te pupu. Te ura āia, ti tauhia tātou, e euraro te pūwei o nā pupu atoa e veira i rutu i aporarei. Promou e mō mataiti i mēri anei, o tupu te mō mau iwer a, mau iwer a, mai inor a, te mea i ki mai te rua te opere rā, wa atura hi ara i muri mai, te pū e mau o te mō pupu. I ke te ime hoa i preteni me i totatou preteni o te whenua i te preteni o te aporarei. Nā roto i te opere mai te rā, te mau tiara i ruto nā mono preteni e tolu. Wa te aturi mātou e nā rira no tātou i te ie mateiki. Nō tū te rau a e te tā e rā o te rapupu e te rapupu, ti tau hi a o ruto i te rara amana hune, i a whātura hi a te rau a o te mōman o mātou. Mi a oe i ora i orero i nana heira. E wa brotu o i a oe na pōra, wa wāuro oi mōmon oran hei tā oi tū mai. Te whiwi, ho e noa mahana, i muri nā orero rā, nēn hei roa i tūhia me mui tātou, tā e no pai e te mōpare rā, ai tate e pīrā i whārihia. Tēnei, tēnā omeira tā mohoa, tō mātou, tātou ai ai hea parhai rutu i aporarhai. E whari rātou nā rutu i tā rātou pupu i aora te whenua e te eiwa no e parera. I reira e horoa wahau e nawhe e opare wahau te moti ara e tera ti ara. Tā mātou e anin, iau te pūwei, e iau te reo tā te nun ā i tu. I ti tauhia tātou pōro e uraru. I roto i tā rātou mō proprou rā, nā roto i te hau e te whātura ai te tei e te tei, ai tatara mon o i whāri hia. Te parongi e mātou nāni e tō mātou nā pupu e piti ato, me hau e nā mātou e ti e teiwa no e parera, ki otu e tātou e hā mō te uhupa e tupu.
te hapapune o we nangi to mato o amun o to tato aia e te mana o te momotu na mero e toru ato o iroto I te pia whaatere te maiti hea nga pēhoru maho e mero mo te aporanhei te whahaune e mato I te raho teime I to mato mo te ara no te mea aita te parau I whaaturahia e aita te ahupa I tanoin e te parau ai titu ati teria Teria no aite mon o maino ino, mon o riri, mon o proprong no tuda I to mato mo mono. Marurua pareteni, marurua tatou pato at fari da mai ke mo mon oiti to mato, fari mea te tato o terho, terho er hai. Maruru, Madame Livia Gami. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais féliciter le Président nouvellement élu dans notre institution, enfin le président de notre institution, et également féliciter les nouveaux membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Bon courage à vous. C'est vraiment avec joie que je vous passe le relais du secrétariat de cette présidence de l'Assemblée. Et j'ai eu plaisir à travailler avec chacun d'entre vous dans cette équipe, avec Oscar Temaru à sa tête et avec... Jackie Drollet, souvent présent pour le seconder. J'espère que ceux qui prennent le flambeau continueront à travailler dans le sens dans lequel nous avons travaillé au sein de ce bureau, dans la concertation, la transparence, la bonne gestion des deniers publics et surtout une gestion en équipe. Donc en tout cas, moi je suis très contente de l'expérience que j'ai eue à vos côtés au sein du bureau de l'Assemblée et je souhaite bon courage à ceux qui prennent notre suite. Merci beaucoup de votre attention. Bien. Monsieur le Président Temaru. Prétitini. Maruru Moïdei. Parohione itatou itumanao to tatou ta euhido. E ani rā te tātou, ai te tarawa e rito I āwe. Ai te wawa ahau tōu nei, ti rito tarawa e o tōu o te tātari te whiwhi. E whiwhi nei e roa te ie. E ani roa I tātou I hatātou e piripiri te ahipa. E a mahora tō tātou rimami. O pere mai te tumotāpuru ahipa e vere rito I tātou. E tāno pa I te prau e te ahipa. Tranoa. Tira tōku tāwiri o tōku. Maruru. Maruru mai te. Aita urawehi a hoa e whaotira. E te mau peretiteni no te mau pupu. E te iei o tā ui hohoratu I mua I tatu. Tēnei, mi tā e parau I ahiro, mi te peu te vera te fifi. No te hupar airutu I te aporarhi o te whenua. E nenhei e wharerei, e matara noa te rira. E horu awa I te rāwea, ai te whiwhi I te ria pāra. No te ie mou pāra heira ara, woti a uhupa, I te ie tēmei tua hiña aro e hui whahau e o whahauro te tua tapapara, wao I a tātou I unei. Tā, nā rira. Kua here mā, je vais donc clôturer notre session extraordinaire ce jour le 12 février à 13h. Et je vous souhaite un bon repos, mesdames et messieurs les représentants. La séance est close.